c'est possible, où je vais à la rencontre de personnes connues ou inconnues qui ont osé créer leur vie de leurs rêves, osé être eux-mêmes, surfer sur la vague de leur vie. Les OCP, on se transforme, on vibre haut et on impacte le monde. Aujourd'hui, j'ai le bonheur d'accueillir Sandrine, alors Astroéthique by Sandrine, plus connue sur les réseaux, qui a toujours été passionnée d'astrologie et qui a créé il y a très longtemps de nombreux horoscopes sur des quotidiens. En 2012, on change tout. Elle crée sa propre chaîne YouTube pour inspirer à l'astrologie, axée sur le développement des ressources innées de chacun et sur la transformation de conscience et la libération des mécanismes de l'ego. Auteur de nombreux ouvrages, dont les derniers, Le Moon Journal et Le Little Moon, elle nous embarque dans son univers plein d'amour et de douceur, nous accompagne vers ce nouveau monde et gratitude, Sandrine. Salut Sandrine! Coucou, bonjour Céline, bonjour à tout le monde. Je suis Ouais. ravie d'être là, ça me fait vraiment plaisir. Ben merci d'avoir répondu déjà à l'invitation pour ton oui, c'est possible. Alors, on en parlait en off là il y a 5 minutes. Tu faisais de l'astrologie dans des gros quotidiens. T'es passionnée d'astrologie, ok. Et qu'est-ce qui s'est passé en 2012 en fait? C'est quoi ton oui, c'est possible? Comment tu as créé une chaîne YouTube en 2012? Alors, en fait, ça s'est fait de façon assez naturelle, assez fluide. Bien sûr, il y a eu un événement déclencheur. Si tu veux, je travaillais en fait depuis une bonne dizaine d'années pour un gros groupe d'astrologie où voilà, j'étais enfermée dans une sorte de routine sclérosante. Je m'en rendais pas compte, hein. C'est avec le recul que je peux te dire ça aujourd'hui. Et où il a fallu finalement un événement extérieur déclencheur pour me réveiller. Donc c'était très désagréable puisque ben, ça a été vécu comme bon ben ça y est, c'est fini, je te mets à la porte. Alors c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé, hein, mais voilà, ça a été vraiment vécu sous la forme d'un voilà une restructuration et donc voilà comment maintenant on va travailler. Et là je me suis rendu compte que c'était mais impossible pour moi d'accepter parce que c'était alors c'était comme quand on peut être dans une grosse société qu'on vous propose une placardisation quelque part en fait. Vous voyez ce que je fais? En tout cas c'est comme ça que je l'ai vécu, voilà. Et là en fait j'ai eu aussi immédiatement cette réponse intérieure du genre attends, ne te mens pas, sois honnête. Parce que ben, je me voyais monter à Paris pour enregistrer les horoscopes et tout ça, et me dire, je m'ennuyais au fond de moi, et je me disais, ça va durer encore longtemps. Et je répétais machinalement voilà, des horoscopes auxquels je ne croyais pas du tout. Il n'y avait plus d'âme, il n'y avait pas de saveur. J'étais dans une survie, hein, une survie financière, psychologique. Enfin voilà, je travaillais. Pour m'alimenter, enfin voilà, et puis pour nourrir, pas grand-chose, un grand vide intérieur au bout du compte, hein. Alors que j'étais sur ce chemin des étoiles, mais finalement, j'ai passé complètement à un côté de cette beauté, hein, des planètes, puisque ben, voilà, l'horoscope, les lignes d'horoscope comme ça, sans âme, hein, c'est pas de l'astrologie. Mais il y avait un confort financier aussi. Et donc finalement, quand cet événement extérieur est arrivé, où on m'a proposé quelque chose, je me suis dit, non, mais je ne peux juste pas faire ça, ce n'est pas possible, ce n'est pas moi. Il y avait le vide derrière, il n'y avait plus rien. Hein, puis en plus, voilà, moi, ce n'était pas de chômage. Hein, donc, Oui, voilà. mais rien derrière, quoi. Tu pouvais Ah, pas c'était faire rien derrière, j'ai toujours le été, chômage. voilà, j'avais un espèce de contrat. Et en même temps, il y avait aussi dans mon ventre ce truc, je me suis dit, mais c'est. Ce changement, tu l'appelles de tous tes voeux depuis un moment. Si ce n'est que maintenant, ben, voilà, j'étais au pied du mur, il a fallu que je réagisse très vite. Et donc, ben, je me suis mis en ouverture, en fait. Je me suis dit, bon, allez, il y a quelque chose qui va émerger, il y a quelque chose, voilà, qu'est-ce que tu as toujours eu envie de faire? Voilà, c'était la panique, hein. Mais malgré cette panique, j'étais dans ce. T'as toujours eu envie de faire. Ah, mais t'as toujours rêvé de faire des astro-interviews.
Ça, c'est le truc, quand je travaillais pour ce gros groupe, je me disais, ça serait chouette d'interviewer des gens, d'aller à leur rencontre dans leur thème astral et de faire découvrir leur personnalité au travers du thème astral. Mais oh là là, non, je ne suis pas légitime, je ne suis pas une assez bonne astrologue pour faire ça, parce que moi, je suis l'astrologue qui fait les horoscopes, je ne suis pas cette super astrologue, voilà. Non, non, non. Bon. Et puis, il se trouve que je reçois un mail d'une admiratrice à l'époque, parce que ben, j'avais quand même un certain, voilà, sous un pseudo, un certain succès, et qui me fait suivre le tout, me dit, voilà, j'aime beaucoup ce qui dégage de vous. Ah bon, ok. Enfin, pour moi, ça me paraissait totalement fou parce que j'étais en décalage complet, je n'étais pas en accord. Je travaillais pour un pseudo, enfin, ce n'était pas moi. Il y avait vraiment des masques qui devaient tomber. Hein. Oui, C'était, il y avait tout un problème d'identité, c'était beaucoup plus profond, en fait. Elle m'envoie le lien vers la télé de Lilou Massé, que je ne connaissais pas du tout. Et là, je vois, je clique sur ce lien et je vois cette télé où elle interviewe des gens dans le développement personnel et tout. Je me dis, et Lilou, avec son énergie, moi projetant sur elle, a ouvert quelque chose en moi en me disant, mais en fait, oui, c'est possible. Et Il voilà. suffit d'en fait aller interviewer des gens. Pas des stars, on s'en fout, c'était mon ascendant Lion qui parlait. Ben voilà. Et puis ce besoin, cette quête de perfection, c'était, voilà, ça peut être intéressant que si on interviewe des gens connus, mais on s'en fout en fait, non. Connus pour qui, pourquoi, des gens qui ont des choses à dire. Et puis surtout, il y avait le livre de Lilou, J'ai perdu mon job et ça me plaît. Donc je me suis dit, bon là, si c'est pas un message, donc j'ai commandé le livre, j'ai lu le livre de Lilou, j'ai fermé et je me suis lancé, j'ai envoyé un mail à Lilou en disant, voilà, j'ai toujours rêvé de faire des astro-interviews, tout ton univers me montre que c'est possible, j'aimerais démarrer avec toi. 3 semaines plus tard, j'ai eu la chance que Lilou me réponde, ben oui, ok. Mais bon, voilà, un petit peu comme toi, tu m'as envoyé un mail sur Instagram, et j'ai répondu, ben oui, ok, pourquoi non? Enfin, tu vois, c'est parce que finalement, on se fait toujours un monde comme si les gens étaient inaccessibles et tout. Ben non, Exactement, non, ça oui, c'est bien trop vrai. bien. Alors, il y a aussi des synchronicités, hein, parce que des messages, j'en reçois beaucoup. Donc, qu'est-ce qui a fait que j'ai répondu au tien? Peut-être parce qu'on avait déjà interagi avant. Je ne sais pas. En tout cas, voilà, l'univers a ouvert le truc. Avec Lilou, ça a été OK. Alors, ce n'est pas gagné parce qu'elle me dit, oui, tu interviews. Et comment tu fais? Je n'avais pas de caméra, j'avais rien. J'étais là. Mais Oh! je te J'envoie vite comprends. un petit message à mon beau-frère. Je dis, comment je fais? Qu'est-ce que je dois acheter? Il me dit, ben, si tu lui demandais tout simplement si on peut faire ça avec si tu peux faire ça avec son matériel. Oh! La honte et tout, super gênée. Je dis, bon, ben, j'ai pas le choix. Mais je me disais, est-ce qu'on peut le faire avec ton matériel? Oui, pas de problème. Ah ouais, ah là là. Et c'est génial parce que tu vois, on se fait un monde de tout. Alors qu'en fait, il suffit de dire les choses, rester dans la vérité. Alors, comme elle transmet tout ça dans son livre, j'ai osé, tu vois, mais en fait, il faut juste oser être soi. Voilà. Et c'est le plus difficile, parce qu'on est dans des telles quêtes de perfection, et puis on porte tous, tu vois, hier, on a fait l'astro-coaching, blessure d'humiliation avec Valérie. Et tu vois, cette blessure d'humiliation, c'est la honte. On pense qu'on doit avoir un certain statut, on veut, voilà, être à la hauteur, ne surtout pas perdre la face. Mais ça nous empêche de faire bien des choses, tu vois? Et ça me fait vraiment penser à ça. Voilà, moi, ça m'a permis d'y aller de façon très spontanée. Et après, ça s'est enchaîné. Ça s'est enchaîné. J'ai pas repris mes astro-interviews tout de suite parce que ce petit complexe, ce gros complexe de non, franchement, et tout. Enfin, voilà, il y a eu Patrick Gianni qui m'a dit, mais moi, je veux que tu fasses mon astro-interview. Et là, j'ai dit, oh, non. Ce grand monsieur de l'astrologie, mais non, mais. J'y suis allée. Voilà, j'étais pas du tout au point. J'ai fait ça avec mon iPad qui est tombé. Enfin, l'astro, elle est toujours disponible. Je l'ai gardée parce qu'elle est délicieuse de spontanéité. Et puis, ça montre que voilà, on débute tous quelque part et que j'étais pas du tout au point. Mais est-ce que je le suis plus aujourd'hui? Non, j'ai juste évolué et c'est tout. Voilà, je suis plus à l'aise. Mais bon, il faut. Voilà, c'est s'autoriser à être soi, vraiment, hein. Et se décomplexifier de plein de choses. Ah, il y a un petit chien. Il y a Comment Pedro. ça que tu Il y a dis? C'est plus Pedro qui aboie. Et drôle, on ne sait pas ce qu'il aboie. Des fois, il aboie un petit oiseau, un truc. Enfin, il il aboie. est beau, il est trop beau. Ouais, il est gentil. Bon, c'est vrai, mais c'est vrai ce que tu dis parce que moi je l'ai ressenti au tout début, et oui, c'est possible, je le ressens aussi. Et c'est vrai qu'on se dit à un moment donné,
Il faut y aller et puis on verra bien de toute manière. Voilà, il n'y a pas d'obligation de résultat. On se met tellement la pression, on est dans de tels enjeux, comme s'il y avait un enjeu vital presque. Alors, c'est notre cerveau qui fonctionne comme ça, mais il faut juste aller avoir la connaissance de comment il fonctionne et lui donner l'info que ben, on va pas mourir, quoi, en fait, hein. Parce que c'est surtout ça, en fait, quand on n'ose pas faire quelque chose, parce que notre cerveau, lui, l'analyse de façon très basique, hein, en disant, ben, oh, danger, danger, potentiellement. Enfin, il faut tout faire pour pas réouvrir une blessure, une douleur, ou potentiellement, bah, je pourrais mourir, quoi. Voilà. Hein? Il n'est pas au courant qu'en fait, c'est pas grave. C'est ça, c'est ce qu'il faut se dire, mais des fois, c'est vrai que c'est pas forcément facile, mais après, oser, comme tu dis, être Ouais. soi, soi-même avec AIME, Ouais. c'est juste délicieux, quoi, parce qu'après, on fait de belles rencontres, et connues ou inconnues, c'est pas grave, on est dans C'est l'humain. magique, c'est magique. Et puis on se met sur une vibration d'amour, et on fait des rencontres de personnes qui sont sur cette même vibration, sur cet élan très spontané, sur cette simplicité, et que c'est bon, quoi, que c'est délicieux à vivre. On n'a plus envie de s'embêter avec ce circuit de la performance, en fait, hein. C'est tout On à est fait. sur un circuit de plaisir et de récompense. Et bon, tu as commencé à te lancer avec les astros, après tu as continué. Est-ce que quand même, il y a des moments où tu as eu la trouille quand même dans tout ça? Oui, bien sûr, je me souviens d'une soirée Tao avec Églantine, Ariane, Juliette Ozac, mon moment magique, Églantine, un Oui. jardin enchanté, Ariane qui fait toutes ces délicieuses nourritures végétales, véganes, enfin, c'est vraiment. C'était, voilà, on habite à Aix, toutes les quatre, et c'est des cercles, c'est autour de cercles qui étaient organisés par Églantine qu'on s'est rencontrés. Et on était toutes les trois, toutes les quatre, dans des questionnements. Souvent, ben voilà, on s'élançait au niveau boulot de quelque chose de nouveau. Et moi, donc, j'avais mis en place ma chaîne YouTube et tout ça, mais j'avais gardé de mon ancienne vie. Ouais. J'écrivais encore deux horoscopes pour un magazine télé. En fait, c'était. Alors, j'étais partagée parce que j'avais une forme de loyauté, puisque. C'était quelque chose, la rédactrice en chef de ces deux magazines avait dit, ah, mais moi, c'est avec Sandrine que je travaille, c'est pas avec son pseudo, donc j'en ai rien à foutre, je garde Sandrine. Donc, D'accord. quand il y avait eu cette bascule, j'avoue que ça m'avait. Voilà, ça avait été le cadeau et la surprise voilà, de cette période bouleversante où j'avais ben, plus rien. Et finalement, ben, j'ai quand même eu un petit peu. Donc, j'avais cette loyauté vis-à-vis de cette rédactrice en chef. Mais elle était partie vers de nouvelles aventures. Mais bon, malgré tout, voilà, on va dire pour la rédaction. Et en même temps, je m'ennuyais parce que, ok, j'avais la sécurité, enfin, j'avais Une petite un petit sécurité financière. matelas, voilà, un petit pécule, mais je ne m'amusais pas, je m'amusais pas. Et je me souviens d'une soirée Tao où, tu sais, ce jeu du Tao, qui est un jeu de développement personnel, en fait, et où on posait nos graines pour le futur, on se posait nos questions, et on était en miroir avec Juliette, on était sacrément en miroir toutes les deux. Et Juliette de me dire, par rapport aux questions que le Tao posait, et elle me dit, mais peut-être que tu ne te rends pas compte de l'énergie. Ok, c'est de l'argent, mais finalement, ça te prend une matinée ou une demi-matinée par semaine, mais en fait, l'énergie que ça te met dans ta tête, ça te prend toute ta semaine de temps. Oui. Et ça, mais cette phrase toute simple, parce que, mais oui, parce que à part, le vendredi, je n'ai pas l'esprit tranquille parce que je sais que le lundi matin, il faut absolument que j'envoie mon horoscope. Comme ça ne me plaît pas, je le fais jusqu'à la dernière minute. Et j'ai tout le temps cette espèce de boule, en fait. Il est envoyé, je suis pas l'esprit tranquille parce que je sais que la semaine d'après, il faut que je recommence. Puis si j'ai envie d'être tranquille, à la limite, je vais en faire 3-4 d'avance, comme ça, allez, hop, je suis débarrassée du truc. Il est où le plaisir? Et au-delà du plaisir, cette contrainte occupe 100% de mon cerveau. Et on sait en plus, quand on sait comment fonctionne le cerveau, c'est que enfin, ça laisse pas de place à la créativité, quoi. Pas du tout. Et du coup, je me suis dit, bon, ben là, par contre, oui, je me suis dit, bon, ben ok. J'ai envoyé un mail pour dire, ben voilà, je voudrais arrêter au bout de, voilà, je sais plus, on a mis 2 mois pour qu'ils prennent quelqu'un d'autre. Là, j'ai vraiment eu les chocottes, hein. Ah ben oui, je me doute. Et bien, tu sais quoi? Mais ça a été mais
C'est du jour où j'ai envoyé le truc, ma disponibilité, elle était toute à ce que j'avais envie de proposer et de créer. J'ai eu plein d'idées qui ont émergé. Peut-être que c'était aussi alimenté par un stress de survie, hein, mais peu importe. Toujours est-il que, bah, à ce moment-là, il y a eu un flot de création, de propositions, d'astro-coaching, et derrière, des gens qui me suivaient, des vidéos, de plus en plus de vues sur YouTube. Enfin, voilà quelque chose qui s'est mis en place parce que j'ai donné de la... C'est parce qu'il fallait ouvrir, en fait, et me rendre disponible. Ouvrir l'espace pour qu'il puisse se Oui. passer quelque chose en fait. Oui, complètement. Et alors ton entourage, parce que de passer à faire des horoscopes dans des magazines super connus, à te mettre sur YouTube et commencer une autre activité, comment ça a été vécu ton entourage? Oh, tu sais, ils étaient un petit peu déjà habitués parce que quand j'avais 27 ans, je travaillais pour M6. Donc j'avais un boulot dans une jolie boîte, tu vois. Je travaillais à la publicité. Enfin, tu vois, c'était quand même un. J'avais un. On va dire, voilà, c'était confortable et rassurant. Et en fait, du jour au lendemain, j'aurais dit, mais en fait, non, moi, c'est astrologue que je veux faire. Mais bon, j'étais déjà partie à New York à 21 ans. Enfin, bon, voilà, Sandrine et ses lubies, on va dire, ils s'étaient déjà habitués. Donc, voilà, et puis ça s'est mis dans un contexte où, personnellement, je me suis séparée de mon mari et tout. Donc, c'était un petit peu un grand changement de vie. Donc, bon, ma maman était inquiète, bien sûr. Hein, c'est évident, mais en même temps, elle a fait pareil à 40 ans. Quelque part, je me disais, maman, écoute, voilà, à 40 ans, tu le sais, en plus, elle s'y connaît en astro, c'est la grande révolution uranienne. Bon, ben voilà, c'est maintenant, t'inquiète, tu sais que je m'en suis toujours sortie, j'ai toujours rebondi sur mes pattes. Ma maman a eu très peur pour moi quand je suis partie vivre à New York, à 21 ans. Et en fait, je me suis très bien démerdée, mais vraiment très, très bien. Donc moi, j'avais en moi, je savais que j'avais ce truc-là, qu'il y avait, voilà, que ben, au pire, ben, je finirais serveuse, hein, tout va bien, je sais faire, je l'ai fait à New York, bon, voilà. Donc j'ai jamais eu peur, en fait, au fond, et donc comme j'avais pas peur, enfin, j'ai jamais eu peur. Oui, j'ai eu peur, mais quand j'avais peur, je savais que quoi qu'il arrive, ben, au pire, je serais serveuse comme j'ai fait à New York, tu vois, Oui, et non, que mais... c'était pas grave. Et en fait, et comme je m'étais déjà prouvé à moi-même que je savais le faire. Je me suis dit, bon, ben ok, donc il y aura toujours une solution en fait. Voilà. Tu vois, donc du coup, quelque part, je m'étais dégagée aussi de cette obligation de résultat. Quelque part, de me dire, bon, bah, au pire, tu feras serveuse, bah, tu feras serveuse, voilà, on s'en fout, ça marche pas, on s'en fiche. C'était chouette aussi, ces années où j'étais serveuse à New York. Donc, quelque part, voilà, j'avais un peu cette espèce de folie du mat, hein, qui s'élance, hein, tu sais, la lame du mat dans le tarot de Marseille. Après, Oui. moi, ces symboles m'ont toujours beaucoup aidée, tu vois. Je suis une fille des étoiles, j'adore les symboles, l'astrologie. Je m'appuyais aussi sur mon thème astral. Bien sûr que, voilà, mon astrologue qui me fait des consultations depuis que j'ai 18 ans, voilà, était là aussi à mes côtés pour me dire, bon, bah, ça va aller. Elle attendait ce moment, elle disait, bon, bah, je me demandais quand est-ce que vous alliez enfin nous faire quelque chose de vraiment original, Sandrine. Elle parle comme ça. Mais alors, pour ma part, je fais une petite parenthèse. Moi, je te suis depuis, je te le disais l'autre fois, quand on s'est au téléphone depuis un petit moment, et je me suis vraiment penchée sur ton univers pendant le confinement. Et c'est doux, parce qu'on a ce truc d'astrologie, comme on disait, avec des grandes stars de l'astrologie. Je dirais pas le journal, mais Oui. chez mes parents, voilà, regardez, Verseau, qu'est-ce qu'il dit, premier décan, deuxième décan, voilà. Et toi, en fait, tu le fais vivre autrement, dans l'unicité un peu de chacun, et autant, ça, enfin, je sais pas comment dire, ça contribue au monde et ça parle à chacun d'entre nous. Et ça, c'est vachement beau, et c'est là aussi toute la finesse, je trouve, que tu nous offres. Et vraiment, je le disais tout à l'heure, merci, parce que c'est beau. C'est beau. C'est Voilà, gentil, merci je vais te beaucoup. le Écoute, dire. je prends, tu sais, c'est vraiment, c'est parce que j'y prends beaucoup, beaucoup de plaisir, en Ça fait. se voit. Voilà. Ça se voit, ça se voit, ça se voit. Et quand donc, ça y est, tu as démarré, bon, tu as été soutenue. Et comment tu te sens maintenant?
Ça y est, maintenant, ça fait un moment, j'ose dire, depuis 2012, on est en 2020. Comment tu te sens aujourd'hui dans toutes tes réalisations? Comment tu es, ton être intérieur, comment il se sent? Mais écoute, vraiment bien, vraiment, voilà, je suis là, je suis dans cette phase, si tu veux, entre deux créations, en fait. Hein, D'accord. puisque j'ai voilà, le Little Moon, on l'a créé au printemps pendant le premier confinement. Là, on tourne cette vidéo, on est dans le second confinement. Et voilà, je démarre un nouveau projet avec ma maison d'édition. Mais voilà, on démarre. Donc, je suis encore un petit peu, tu vois, dans cette période un petit peu de flottement. Il y a un chapitre qui se clôt avec ben, tous les Little Moon et mon journal voilà, qui sont en train de partir. Donc, voilà, c'est cette période où on est fin novembre, où il va y avoir les fêtes et où j'aime bien aussi faire une petite pause. Tu vois, je ressens ce besoin aussi de faire une pause là. Parce que je sais que cette pause, elle va m'apporter beaucoup de régénération pour cette nouvelle création, pour ce nouvel élan créatif. Et je me sens vraiment, oui, sereine en fait par rapport à tout ce que je pourrais avoir envie de mettre en place pour la suite. J'ai plein d'idées et j'ai appris maintenant à les laisser se reposer. Et voir celle qui tout d'un coup émerge et devient la plus évidente, la plus fluide. Et puis voilà, celle qui va être la prochaine aventure, en fait. Voilà. Et puis après, il y a des rendez-vous réguliers. Tu vois, le Little Moon a beaucoup plu. Donc ben, je sais que maintenant, dans mon année, il faut que je prévoie un moment pour la création du Little Moon. Tu vois, j'ai quand même des rendez-vous récurrents. Donc voilà. Et puis je me dis, bon. Ça va être voilà par rapport à tout ce que je propose aujourd'hui, mon souhait c'est vraiment de rester bah, la plus authentique dans tout ce que je propose. Tu vois, je vois Castroéthique prendre l'ampleur, j'ai ma sœur qui m'aide, j'ai mon beau-frère, enfin voilà, il y a toute une il faut que je structure les choses, mais j'ai vraiment envie de garder cette dimension humaine, en fait, tu vois, et que ça ne devienne pas une espèce de grosse machine. Voilà. Le nom d'Astroéthique, il n'a pas été choisi par hasard, en fait, hein. D'accord. Il a vraiment été choisi pour rester dans cette éthique de l'astrologie, parce qu'en fait, je travaille pour un gros groupe d'astrologie, et au bout du compte, ben, l'éthique astrologique, elle était un petit peu dévoyée. Enfin, il y avait. Voilà. Et je n'ai pas envie de retomber dans ça, en fait. Surtout pas. Surtout pas parce que je connais les rouages de ces machines-là et voilà, c'est business et cash machine et ça m'intéresse pas du tout. Ah ben tu sais, lui c'est la vie, c'est l'amour, il rentre, il te fait la fête, il te fait des bisous, il aboie quand il y a, c'est un chien de garde, il aboie dès qu'il y a, bon, c'est rien. Allez, vas-y, file, on va voir ce que c'est. Et te prendre ta maîtresse 5 minutes encore. Et donc, on arrive à la fin. Et qu'est-ce que tu pourrais dire, toi, aux personnes qui ont envie de faire quelque chose, de se lancer, alors pas forcément dans l'entrepreneuriat ou de créer leur truc, qui ont envie de faire quelque chose et qui n'osent pas. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme message? Écoute, c'est vraiment amusant qu'on fasse cette vidéo aujourd'hui, parce que hier, donc, j'ai enregistré avec Valérie la blessure d'humiliation. Et vraiment, mais ce qui me vient, c'est tout ce qu'on a transmis et que je vais résumer là, c'est ce circuit de la performance, tu vois, qui est là, au niveau de notre tête, quoi. Alors, il n'existe pas, hein, pour de vrai, hein, le circuit de la récompense existe, hein, dans notre cerveau Oui. limbique, hein, mais le circuit de la performance, tu vois, c'est il faut, je dois, obligation de résultat, un statut, une dignité, qu'est-ce que les gens vont dire, tu vois ce que je veux dire? Oui. Et si je me loupe, enfin bon, tout ce truc-là, du niveau du cortex préfrontal, où on est dans du challenge et où il n'y a pas de plaisir. Exactement. Mais voilà quoi, c'est terrible parce qu'on envoie du mauvais stress
cortisone, glutamate, enfin que des choses qui, au bout du compte, ne nous permettent pas de vibrer sur une fréquence qui, au niveau énergétique, au niveau de l'univers, en fait, amène de la fluidité, ça ne fonctionne pas. Donc, en fait, se lancer, c'est chut, Pedro, arrête. Je suis désolée. En fait, il y a des allers-retours dans mon allée parce qu'ils doivent aller chez le voisin. Hein. Enfin, bon, voilà. C'est les petits travaux. Pedro, il fera partie du « oui, c'est possible ». Voilà. Et Pedro, il n'est pas content parce qu'il sait quoi tous ces gens-là. Ça bouge. Donc, ce que je voulais dire, chut, Pedro, tu te tais. Chut, tu te tais. Désolée. Alors là, c'est 100% nature. Hein. Mais c'est ça la vie. C'est ça que je. C'est l'intention que je mets dans tout ça. Mais rire, parce que du coup, il s'est assis, il me regarde, il a dit, mais tu es sûre? Parce que quand même, je ne connais pas ces étrangers. J'adore. Mon petit protecteur. Donc, du coup, en fait, voilà. Le message. Il n'y a pas d'obligation de résultat. Il n'y a pas d'obligation de résultat. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Il n'y a pas d'obligation de résultat. Et quand je dis ça, c'est vraiment, enfin, je veux vraiment, enfin, je vous souhaite de l'entendre vraiment. C'est pas, on s'en fout si ça ne marche pas. C'est pas comme ça. C'est la performance. Voilà. C'est la performance. C'est pas quelque chose. Derrière la performance, il y a la peur d'avoir honte. Vous voyez ce que je veux dire? De perdre la face, de perdre un statut. Enfin, il y a vraiment il y a encore beaucoup d'ego qui souffre. Hein, c'est de la souffrance. Voilà. Alors que derrière cette notion de plaisir, il y a la vibration de l'âme. Et quand la notion de plaisir est là, eh bien, vous allez très vite savoir si vous êtes sur le bon chemin parce que la fluidité va être au rendez-vous. Comme tu viens de le faire, enfin, je veux dire, je me rappelle très bien de notre premier échange. Moi, je vois, bon là, Sandrine, on sentait dans le message que tu m'envoyais tout le plaisir, toute la joie que tu mettais à faire ça, tu vois. Et donc, du coup, naturellement, ben, moi, j'ai cliqué sur ton lien pour aller voir ton univers. Je me disais, oui, c'est sympa, ça résonne. Bon, mais OK, tic-tac, plouf, super. Ça s'est fait de façon très fluide. Oui. Mais parce que tout le plaisir de ce que tu, et tout le cœur que tu as dans ce que tu fais, moi, je l'ai ressenti. Enfin, je l'ai ressenti. Enfin, il transparaît, en fait. Tu vois? C'est gentil, merci. Et donc, je pense que c'est vraiment le secret pour plein de choses. Enfin, le secret. C'est l'évidence, en fait. Mais on l'oublie. Et oui, on l'oublie parce qu'on est souvent bloqué par des « il faut, je dois » et par des obligations de résultat, je me répète. Hein. On est, oui. Comme s'il y avait un enjeu, quoi, tu vois, presque un enjeu vital. Voilà. Ben, merci Sandrine pour ce beau moment avec Pedro. Avec Pedro. un grand merci. Donc, on mettra tous les liens de Sandrine, même si vous les connaissez, sous l'interview, en commentaire. Et puis, on se dit à très bientôt, Sandrine, une très belle rencontre. Oui, merci beaucoup. Je t'embrasse.